Bonjour et bienvenue pour le Magic Life and Magic Business Tip d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler du Inner Mentor. C'est une technique qui est vraiment a été transformative pour moi et que j'utilise maintenant tout le temps et qui me sort tout de suite de quelque chose où je vais me sentir pas à la hauteur de ce que je veux faire ou manquer de courage. Le Inner Mentor, je ne sais pas comment on traduit ça en français, va être la version Gudrun 5 ans plus tard, celle qui est arrivée là où je veux être, là où je veux arriver. Elle est déjà arrivée dans 5 ans ou dans même 10 ans. Moi, je prends 5 ans. Elle est déjà là, elle est déjà loin, elle a déjà fait tout ce chemin que je m'imagine ou que j'ai envie à l'heure actuelle de faire. Et comme moi, je ne me sens pas à la hauteur de prendre une décision, ou je ne me sens pas à la hauteur de faire le prochain pas, ou je me sens découragée parce qu'il y a quelque chose que j'ai essayé qui n'a pas marché, ou que je suis un peu dans le flou, quelle direction prendre, un peu dans le flou, est-ce que je peux oser faire cela, est-ce que je peux parler avec cette personne, est-ce que c'est une aventure, un risque que je vais prendre ou pas, de vraiment cette prise de décision, et cette version de moi qui est plus petite, qui a encore peur de certaines choses qui doit se développer, cette version de moi qui va être là en train d'hésiter, eh ben, quand je suis dans une situation comme ça, je vais faire appel à cette version de moi. Et tu peux donner, si tu fais ça, tu peux lui donner un nom, à ma grande sœur ou à ma Gudrun de lumière ou quelque chose. Donne-lui un nom. Et après, quand tu lui as donné ce nom, tu fais appel à cette énergie-là. Et ça, c'est ton mentor, inner mentor, mentor à l'intérieur. Donc, je crois qu'on dit mentor en français aussi, à l'intérieur. Et c'est ta version de toi, en fait, qui sait quel est le chemin que tu dois prendre, quelle est la décision que tu dois prendre et qui va t'aider à dire, écoute, je sais que tu sais le faire. Regarde où tu vas arriver. Je sais que tu vas arriver dans 5 ans, tu vas être à cet endroit-là. Mais maintenant, il faut faire cette action-là. C'est ça que tu dois faire. Et me faire confiance à cette voix intérieure, cette voix qui est pleine d'amour, puisque c'est toi qui es déjà arrivé. Et cette voix qui, au fond d'elle, qui sait, parce que le chemin, elle l'a déjà fait. Et donc, laisse cette voix intérieure être ton guide et vraiment être cette personne lumineuse avec plein d'amour, avec plein de compréhension aussi pour toi-même, pour tes peurs, pour tes hésitations, pour tout ce que tu dois traverser. Laisse-la être là pour toi et te guider, être à l'écoute, te prendre par la main et dire tout est bien, tout va aller, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et cette personne intérieure, que c'est ta version dans 5 ans, je pense que c'est une personne à qui tu vas faire 100% confiance. Et donc, ça s'appelle Inner Mentor et tu peux vraiment faire appel à elle. Prends un peu de temps, mets-toi un papier hein, et tu prends un peu de temps pour la dessiner, pour la décrire, pour vraiment la sentir. Donne-lui ce nom, ma grande sœur ou quelque chose comme ça. Tout ce que tu trouves va juste être bon et tu l'appelles comme ça. J'ai besoin de toi. Je me sens comme si, comme ça. J'ai peur de faire ce qu'il faut faire. Je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression que je n'ai pas la valeur qu'il faut. J'ai peur des critiques des autres. Je suis impressionnée par la tâche qui m'attend. Je suis dans le brouillard parce que j'ai trop à faire. Je me sens submergée par tout ce qu'il faut faire. Je me sens pas comprise par mon environnement. Je me sens seule. Je me sens triste. Et toutes ces choses-là, tu l'appelles et tu la laisses te montrer le chemin et tu la laisses vraiment, vraiment être là pour toi en te tenant la main. Et tu vas voir que si tu fais ça, ça va te donner tellement d'énergie. Ça va te donner ce sourire. Ça va te donner cette joie, cette confiance dont tu as vraiment besoin. Parce qu'en réalité, ton meilleur toi, celui qui est dans 5 ans, qui existe dans 5 ans, si aujourd'hui tu sais ce qu'il faut, tu fais ce qu'il faut faire, elle va vraiment, vraiment être là. Elle existe déjà parce que toi, tu prends à l'instant présent, tu fais quelque chose. Et même si tu fais une erreur, ces erreurs vont faire partie de ton chemin. Et ces erreurs, moi, toutes les erreurs que j'ai faites, me servent à te dire à toi,
ça c'est une erreur, ne la fais pas, tu vas la faire, c'est ça et ça et ça la conséquence. Tu ne la fais pas, c'est ça et ça et ça la conséquence, et maintenant s'il te plaît tu choisis. Et tu vois, les erreurs vont t'aider à aider les autres. Et puis, de toute façon, on va les faire, ces erreurs. Et c'est bien comme ça, c'est toujours comme ça. Les erreurs sont vraiment là pour nous faire sentir dans notre corps, dans notre être, ça, je ne le veux plus. Je l'ai fait une fois, j'ai vraiment plus envie de l'avoir. Et c'est une vérité que ton corps possède qu'on ne pourra jamais lui enlever. Donc, faire des erreurs, c'est OK. Mais ce qui n'est pas OK, c'est de ne rien faire. C'est d'être figé dans la peur. Et c'est pour ça que cette mentor intérieure, elle est là quand tout le monde t'abandonne. Elle sera toujours là. Et donc, cultive de cette relation que tu as avec elle. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui comme technique pour vraiment, vraiment arriver là où tu veux aller. Bonne journée.